Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de UAC Counter Force. On démarre la deuxième vague sur notre défense. Donc on va aller chercher notre loot. Avec Akatsuki. Il nous reste suffisamment de munitions, mais il va falloir qu'on le gère. Hein. Donc on a 60 ennemis qui arrivent, dont un Shadow Envoy et un autre Wonderworm. Ça m'étonnerait qu'il pop juste à côté de nous, hein, mais bon, dans le doute. C'est un Azura 49, c'est une ressource rare qui donne les Wonderworms toujours. Ok, nos chargeurs sont pas forcément pleins. Ma raclette, ma raclette. Je peux pas la faire à minuit, ma raclette. Hein. Ouais, on a une raclette prévue pour ce soir. Alors là, tu imagines qu'il y a Chobiti qui est en panique, quoi. Ah, j'ai plus que 300 balles là. J'aurais peut-être pu mettre un peu de munitions là. Bon bah tant pis. On va faire avec ce qui nous reste de balles. Ici c'est pareil, hein. J'aurais bien voulu commander un peu d'hydrazine, mais bon. On peut faire un disperse et après il faudra qu'on y aille au quad seeker. C'était pas trop mal hein, comme stratégie. On va juste mettre un bandage là pour remonter un peu la vie. Non pardon, excuse-moi, j'ai cliqué. On va laisser le fil médic pas trop loin là. Et on va remettre notre ami Bullet Hell ici. Donc ça sert pas à grand chose de se mettre en défense puisque de toute façon ils vont popper et on va voir un tour. Hein. Ça c'est vraiment le tour gratuit. On va reload tout ce qu'on a à reload. Toi tu peux pas te mettre en défense, toi t'es bien chargé, ouais. Ok, c'est parti. Alors, on a 12 ennemis qui sont rentrés. Ici, on a un petit vert. Déjà, regardons un peu ce qu'on voit. Pas grand chose pour le moment. Ici, rien. Ok, très bien. On va se mettre en défense, hein, en short burst. Voilà, s'il te plaît. Alors là, on va se permettre une balle pour éliminer au moins celui-là. Ça sera toujours ça de prix. On va défendre vers le haut. Ici, on va défendre par là. Toi, tu défends en bas. Aminou, tu fais rien. Et toi, tu défends ici. Aminou, il va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Ouh, l'alpha scorpion direct, en plus on arrive à rater. Si tu le tues à côté de toi, tant pis pour toi quoi. Ah. Il y a un truc qui a fait boum là. Ouais, la mine qui était là a explosé. Ouh, ça c'est très, ça c'est bien mieux ça. Voilà, excellent. Non, j'avais pas de points pour remettre des mines. Tant que tu rigoles ou quoi, ça coûte trop cher. Ok, un petit alpha là. Il a laissé un œuf derrière lui. Et on pourra l'allumer à la tourelle, l'œuf, c'est nickel. Bon, par contre là, il y a un truc qui nous a craché dessus dans l'angle mort. Oh la vache. Ah, ici ça sort un peu trop en nombre là. Alors là, il y aurait que ça. Understood. Si c'est le cas, on va se le faire au katana. Gotcha. Voilà. Et toi, par contre, tu vas pouvoir aller tirer un peu par ici. Alors le problème, c'est que là, c'est dos. Ce qui me plaît pas trop. On va buter l'œuf. Ah ouais bah les munitions elles sont censées servir hein. Lui on va pas pouvoir se le faire par contre. Non il est caché. Il est derrière le caillasse là. C'est pas top.
Il semblerait qu'ils nous fassent du renfort par là. Le problème, c'est que le temps qu'on amène du renfort, ce sera peut-être de l'autre côté qu'il nous faudra du renfort. Donc on va venir jusqu'ici avec toi. Ok, bon, une strat, on touche l'autre, à la limite c'est pas si mal. Est-ce que c'est à portée pour une grenade? C'est à portée pour une grenade, vas-y. Défonce un peu ses armures là. T'as plus 2 points. Ok, très bien. Alors lui, il faut qu'on se le fasse. On va aller là. C'est malheureusement la priorité. Oh allez, t'es sérieux? Il nous reste un scatter. Ok, ça va, ça le fait pas. On va rester en focus fire et on va reculer dans les défenses. Je rappelle quand t'avais 6 ans aux eaux de Vincennes, un lama avait craché à la tronche. Bah j'espère qu'il avait pas un crachat acide lui. Parce que c'est le principal problème de ces foutues mouches, hein. C'est que non seulement elles font des attaques de zone, mais qu'en plus elles te pourrissent d'acide. Genre vilain. Essaye de t'approcher, voir si tu peux tirer par-dessus la barricade. Là on peut gagner une petite case en reculant. Là pareil, on va se planquer derrière le rocher pour pas se prendre des tirs gratos. Aminou, tu peux passer ici? Yes, tu peux passer ici. Bon, on reprend ton truc. Non, tu vas défendre, tu vas continuer de défendre vers le bas en fait. Ce sera, je le crains, plus pertinent. Et toi pareil, pour l'instant on va tenir avec Finn Medic et Damned de l'autre côté. Ça franchement, ça va, ça me dérange pas. Ouf. Deux scorpions, vous êtes sérieux? Il va falloir qu'on envoie le médic là. Ah, le shadow direct. Très bien. Bon, au moins il arrive sur un flanc qui nous arrange. Alors, si tu peux aller jusqu'ici, si tu peux aller jusqu'ici, et tu pourras juste faire un soin et rien d'autre. Si tu vas jusqu'ici, tu sautes pour 6 ici, tu sautes pour 6 ici. Ça fera 42 et 6, 48. En 42 restant, moins 6 pardon. 38. Moins 6. 36. Moins 6. 30. Ce serait plus rentable. On va faire ça. Ouais, on peut sauter à deux cases, encore mieux. Voilà. Hop, vas-y. Mets un heal et t'es bien placé pour du short bust ici. C'est parti. Toi tu viens là, t'allumes ça, ensuite tu viens là, t'allumes ça, plus que ça s'il te plaît, merci. T'as entre le 60 et le 234, il y a quand même un monde quoi. Et tu vas faire un petit tir dans les fesses de lui, rate-le pas. Ok, c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors ici, lui il est juste en dehors de la portée, très bien. Pour du scatter, pareil. On peut faire un périmètre sweep. On va s'en servir pour endommager ces cons. Ah non, deux ratés, sérieux. Allez là. Ok, on va rester en focus. Non, on va se mettre en scatter parce qu'on va essayer de couvrir l'avancée là. On va voir un peu avant comment on gère. On va faire tous nos tirs sur lui. On va le vider un chargeur, hein, on s'en fout. Faut l'endommager. L'avantage c'est qu'il va venir tirer sur le... Il va venir taper sur la tourelle, c'est déjà ça. Ok, ici.
faire péter. Avec tous ces fluides, on se croirait à Fort à la Mouille avec Davy Crockett. Oulala. Ça escalade rapidement, je trouve. Bon, on voit personne d'autre ici. Y a un putain de rocher qui nous coince la vue là. Est-ce que t'aurais moyen de venir ici là? Non, tu tires pas si loin que ça. 6, 7, 8, 9, 10. Si tu viens dans l'angle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est absolument pas assez. Donc je pense que tu vas rester à défendre dans le coin là. Si jamais il y a des saloperies qui sortent, tu vas reculer un peu. Hop là. Ici, on a juste des petits worms qui nous emmerdent. Ah, il reste ça à tuer. Tu peux venir dans le dos. Voilà, 124, c'est pas mal. Il y en a un autre qui est très bien. Tu vas t'éloigner. Non, tu vas te rapprocher du fil médic. Il va se faire un plaisir de te mettre un petit pansement. Et après, défend. Ici, du coup, bon, on va pas le tuer avec 44 de saignement, mais c'est quand même pas dégueulasse déjà. Et là j'hésite, est-ce que je vais les chercher ou est-ce que j'attends qu'ils viennent? Je pense que je vais attendre qu'ils viennent. On va reculer, se mettre en défense. C'est parti. Ça c'est pas cool par contre. Ils se portent vraiment bien avec tous ces questions. Ouais, ils sont vraiment capables de très bien se placer, hein. L'IA est très intelligente là-dessus. Ok, il y a du monde qui approche. Oh non, on l'a raté, t'es sérieux? Bon, là je pense qu'Aminou va pouvoir se faire plaisir. J'ai cru voir deux scorpions. Oui, il y a deux scorpions en haut, tout à fait. Ouais. C'est un peu beaucoup. Alors, toi, faut que tu recules. L'idéal, ce serait que tu viennes jusqu'ici. Yes, ici, on va se mettre en disperse. On disperse. Et est-ce qu'on a la possibilité de foutre le feu avec genre une petite grenade par ici? Nickel, ça en fait 4 de moins d'un coup, il y en a 22 sur la map. Là il est un peu trop tout seul mon ami là. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est se mettre ici. Défoncer celui-là. Il va exploser, tuer son pote, avec un peu de chance. Quasiment tuer son pote. Il nous reste 11. Si je vais jusqu'ici je peux me mettre en défense. On va se mettre en défense, on va tenir. Ok, toi vas-y, recharge avec ce qui te reste et garde nous ça en main. Probablement qu'il faudrait qu'on va péter ce caillou au prochain coup pour pouvoir passer plus efficacement. Pareil, comme j'ai dit, il faudrait que je mette des portes un peu partout là pour aider. Bon là la tourelle, au moins elle peut se débarrasser de ça direct. Et en plus on peut tirer dans les fesses de celui-là. Nickel. Là, lui, il s'est mis dans un foutu angle mort. Sérieusement? Oh la vache, c'est abusé. Il est trop proche, donc entre les trucs qu'il cache et le fait qu'il est au ras du sol, on le voit pas quoi. Bon, par contre, on voit celui-là. Donc tu vas prendre pour les autres. Ça arrive pas mal hein, sur ce côté là de la map, hein, mine de rien. Bon, 52 de dégâts c'est quand même pas ouf par contre. Hein. Tu peux faire mieux que ça quoi. Bon lui il va aller par là-bas, c'est pas trop un problème. On va renvoyer Phil Medic en haut. Si on la met ici 14, on pourra faire deux tirs sur le scorpion, ce serait pas dégueulasse. Dommage. Presque, mais pas assez. Toi, tu peux tuer ce petit truc.
On a un deuxième, ok. Ah, et là il y a un crasher. On peut pas trop choper. Ouais, je vais pas le voir avec le caillou, c'est ce que je me disais. On va se mettre en défense là. Normalement, si on le voit pas, il doit pas nous voir non plus, je pense. Donc ici, il restera le scorpion, ils vont venir taper. Est-ce que tu peux fermer la porte pour 4? Ouais, bon, c'est pas encore une priorité. On va dire qu'ils sont pas encore rentrés dans la base. Là, je pense qu'on a pas mal éliminé ce qui venait d'ici. Je pense que ça va plutôt arriver de là. On va se mettre en défense comme ça. Aminou, il fait rien. Enfin, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Plus précisément. Ok, un petit verre. Oh, ça fait beaucoup de petits verres. Ouais, ça fait beaucoup de petits verres, mais ils sont pas très... Ouh, le Wonder Worm, là, juste en face d'Akatsuki encore. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est pas bon, par contre. En plus, Armored. Ça, c'est de la saloperie. Ah putain, ils se soignent de fou en marchant dans la zone du Wonder Worm, là. 50 à chaque fois, quoi. Alors s'il nous tape beaucoup, lui, il peut nous mettre le feu. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Shobiti, là? Mais c'est le ver de Noël. Ah, c'est le ver de Noël qui te fait chanter ça? D'accord, ok, j'avais pas. Ok, lui, il se replie parce qu'il a trop mal. Pourquoi pas. On a pris du... On a du poison, là? C'est du poison qu'on a? Non, on a rien. Il m'a semblé que je prenais des dégâts, mais non, visiblement non. Ou alors... c'était du fire build up et ça s'est instantanément enlevé. Oui, mais ça c'est de l'acide sur Damned, j'y peux pas grand chose pour le moment. Donc là il faut qu'on s'extraite ça. Est-ce qu'on peut tirer sur lui? Non, pour l'instant on ne peut tirer sur personne. Hein. Donc il faudrait qu'on recule genre là. Qu'on finisse lui. Voilà, déjà il tue son pote. Il y a un autre crawler là. Mais on va s'occuper plutôt de défoncer cela. On va se rapprocher par ici. Donc là, si je me mets là, je vais en voir aucun. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va se mettre plutôt ici. Parce que là, on aura une vue dégagée. Et vu qu'il y a ce rocher, ils sont obligés de passer devant moi. On recharge, on défend. Maintenant, ici, plus de munitions. Alors, on a vidé tout notre chargeur sur le machin qui traversait, quoi. C'est abusé. Allez, quack, Mother Docker. Ah bah c'est un mini boss, hein. Il est énervé, hein. Mais en plus, si on le tue pas, il va essayer de se replier pour se soigner. Alors on a plus de munitions. Le dernier tir. Excellent. Ouais, il nous a laissé un cadeau. Ouais, il laisse toujours des cadeaux. Entre 1 et 2, Azura 39 il laisse. Du coup ici, eh ben ils sont parfaitement alignés, j'ai envie de te dire. Donc on a plus de munitions, il faut qu'on reload et qu'on recharge avec ça. Voilà, il nous reste 250 balles de perçage d'armure. Non, des balles explosives, excellent, on lui a mis le feu. Et à 55 on le rate et on touche son pote. Là, franchement, que demander de plus. Du coup tu vas couvrir par là je pense, hein. Focus Fire, ouais. Tu vas couvrir par là si tu décides de s'approcher, et là... Lui il faut qu'on sorte le tuer. Ouh, coucou toi, plutôt toi du coup. Attends, par contre, avec l'armure qu'il a... Ok, on l'a buté, on va tuer son copain. Là je le vois toujours pas sérieusement. Oh, faut arrêter les conneries là. J'ai plus de points d'action, zut, on va reculer, tant pis. Je crois que ça s'appelle cache-cache avec les aliens. Alors, ici. Il nous reste un disperse. Est-ce qu'on se permet un disperse pour tuer ça? C'est un peu chiant quand même, non? Faudrait que je le mette vers là. Mais c'est un armored lui, donc de toute façon on pourra pas lui faire mal avec ce qu'on a sur ce flanc. Le vrai problème, ça va être de mettre le feu. Tango
Normalement ça fait tout péter là, voilà. Même 3 explosions il survit, ok, 4 explosions il est mort. Donc l'hydrazine c'est terminé. Hop. Toi, on t'allume. Là il y a le rocher qui nous empêche. Faudrait que j'aille genre jusqu'ici, ça se fait. Il y a un petit verre. 53 c'est pas ouf. Ouh, bien joué. Ok, reviens là. Défends. Franchement, on est pas mal, hein. 14 ennemis restants seulement. Lui, il a pris feu, excellent. Surtout si c'est des petits vers. Parfait. Nickel. Il a bien esquivé les zones de tir, mais il est obligé de s'approcher. Et donc de prendre des coups et de consommer des points d'action. Ah, ça c'est pas cool. Et là on a un hunter qui va chercher Aminou. Oula, il y a du monde encore sur ce flanc là. Ah, l'enfoiré qui revient. Bon, l'avantage c'est que là on est extrêmement bien placé pour le défoncer lui. Vu qu'il nous a montré ses fesses. On peut aussi se rater. C'est effectivement une possibilité, on va pas se mentir. Alors là Aminou, t'es pas super bien là. Bon, de face sur lui c'est pas si mal en vrai. Si je t'avance jusque là, est-ce que tu peux shooter les deux? Oui. Vas-y, amoindris-le un peu, enfin plus efficacement, ce serait quand même mieux. Non, il n'y a pas moyen. Bon. Le Quad Seeker, ça peut faire des tirs monstrueux et des fois tellement nul, mais tellement nul. Bon, lui, on va le terminer. On va laisser le mur ici, je pense, pour tenir. Et là, du coup, si lui, on voulait le shooter, il faudrait qu'on soit sur cet angle-là. Vas-y, viens jusque là. Est-ce que tu le vois toi? Et que tu le portes à l'épaule ton flingue? Excellent. Allez! Oh sérieusement, elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu, puis c'est pas avec 14 de saignement que ça va le tuer je pense. C'est lui le plus dangereux. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose? Si je vais jusqu'ici, non, j'ai absolument pas assez de points. Si je vais jusque là, non, c'est pas mieux. Si je vais jusque là et que je défends. Alors j'ai, il faut que je reload. Il ne reste plus que 75 munitions. Ouais, va falloir des munitions au prochain tour, hein, clairement. Sinon c'est la merde. Ici, est-ce qu'on a moyen de le toucher? Avec un scatter, oui, mais alors par contre faut qu'on recule. Il reste encore 16 ennemis sur la map. Hein. On sait pas du tout où ils sont. On peut raisonnablement se dire que globalement ils préfèrent faire le tour plutôt qu'attaquer les barricades. Donc je pense qu'on va replier Damned Akatsuki par ici. Laisser la tourelle et l'ingé faire le taf. Ingé, si tu pouvais te fendre d'un petit scan peut-être ? Ouh, il y a un gros rouge par là, très bien. Donc ça c'est un alpha forcément. Ce qui veut dire qu'on va se mettre en focused fire plutôt pour couvrir l'approche. Défense. Reload. Défense. Ici on est déjà en défense, toi tu t'es replié comme tu pouvais. Toi pareil, tu peux pas faire grand chose de plus. Tu peux te replier un peu derrière pour pas te prendre de tir éventuellement. Là, on avance un chouille de plus, toi tu te mets en défense, et c'est parti. Il meurt pas du saignement comme prévu. Les petits vers à la con vont prendre les zones de tir, ça change pas. Ouh, coucou toi. T'es un gros vert.
Alors le gros vert, si on le fait péter, il va faire des dégâts autour. Aïe. Ouh putain. Aminou, il va falloir qu'il se reprenne une petite pilule. Ah, il nous monte son dos, l'enfoiré. Ah d'accord, carrément. C'est l'infiltration. Target hit. Target hit. Ok, très bien. Il faut qu'on tue celui-là. Comment on va faire? Il y a un autre alpha en haut, je vois. Il va falloir qu'on ramène le feed medic. Donc déjà, tu vas te prendre... Ah non, tout ton acide a disparu. Ah bah oui, parce que du coup, t'as plus d'armure, donc tu prends les dégâts dans la vie. Du coup, ça te fait disparaître l'acide. Vas-y, allume-la. Oh putain. Ouais, c'est très mauvais. Du coup... Non, oh, sérieusement, allez. Il est de dos là. Voilà, merci. Bouge d'une case pour laisser la place là. Voilà. Ok, un petit soin. Là, on a zéro armure. Bon, ce petit saloperie, c'est pas gênant. Là, le gros danger, c'est lui là. On va pas le tuer, je pense pas. Quoique. Ok, parfait. Bon, on a tout cramé en points, mais on l'a tué. Donc là, on commence à être vraiment, vraiment en dèche. On va reculer. Donc ici, on a un gros Worm Pig Alpha. Oh, il est beau, hein. Tourne-toi encore un coup là. Ah, on voit le haut du petit ver. Ouais, il est sympa avec ses petites antennes. Découpe-le. Tango down. Putain, il y a des poules partout du coup. On peut sauter là. Passer en combo. Target hit. T'as plus de points. Si tu t'avances là, tu peux faire un slash. Target hit. Ok, c'est pas si mal. On va mettre quelques tirs. 42, 39, 39, on a tombé dans sa autre jauge de vie, 46. On va partir du principe qu'il va crever du saignement pas loin. On va ramener Akatsuki ici. Alors, ici. Pour le moment, pas d'ennemis qui ont l'air d'être apparus par ici. Excellent, le one shot là. Très très bon ça. Vas-y, repasse en défense. On va peut-être du coup pouvoir pareil envoyer l'ingé. Filer un coup de main là-bas. On voit lui. J'aimerais bien me débarrasser de celui-là. Je peux sauter là. Ouais, ici. Ah putain, pas loin. Yes, je vois. Engaging enemy. I can't do that. Non, plus de points. On l'a pas tué. Bon, on l'a fait reculer un peu. On va espérer que ça va suffire. Bon, on a personne en mode défense là. Hein. C'est. Ça picote un peu. On a bientôt plus d'armure. Là, on a plus d'armure donc on prend tout dans les PV de toute façon. Ok, bon, il a pas pu nous attaquer, c'est déjà ça. Ouf. Chaud, 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 hein. Aminou là, il est pas bien là. En plus, il s'est pris plein d'acide. Les barricades commencent à crever. T'as dit que tu pouvais arrêter à la fin de cette mission. Normalement, je peux me replier à la fin de cette mission, ouais. Ok, il a pris du poison mais pas d'acide, ça va. Oui, les acides ils se stackent pas, c'est vrai, ils font pas de build-up.
Quand il a plus d'armure, ça tape direct dans les PV. On va le soigner un peu. Bon, lui, il va faire une énorme explosion en crevant. Il faut donc qu'on s'éloigne. Ce truc-là nous coince la vue. Du coup, on va s'en occuper de celui-là, tant qu'à faire. Il faudrait qu'on fasse du short burst peut-être sur ça, mais il a moyen de crever. Par contre, il faut vraiment qu'on recule avec toi. Bon, tant pis, on va reculer. Comme il faut. Ok. Ça fout le feu partout. Très bien, toi viens là. Bon, il n'y en a plus qui peut rentrer sur la map, mais on est encore à 14 ennemis. Hein. Je sais plus, c'est toi, Xebus, qui avait pas joué à Fantasy General 2, mais qui avait hésité. Ça me dit quelque chose. Ça me dit très fortement quelque chose. Ok, on va essayer de défoncer ceux qui sont plus visibles. Viens là. Tire sur ça. Bon, pas idéal. Un petit scatter. C'est raté. Ici, on va chauffer le scorpion. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors là, on a toi, mais il y a des flammes partout. Tu pourrais venir ici. Faire un petit Uber Quack. Quack Quack, Mother Ducker. Un petit short sur lui pour le plaisir, histoire d'entamer un peu. Aminou, il va vraiment falloir que tu te replies, donc je pense qu'on va te replier là-bas. Yes, sir. Ou alors là-haut pour aider. On voit d'autres ennemis là. Ouais, y en a... Ah, il y a encore du monde. Ah putain, il y a un saloperie armored là, sérieusement. 27 pour aller le chercher. Bon, on va commencer à l'endommager. T'as dû t'absenter un bon moment, comment ça se passe? On est sur la fin de la deuxième vague. Mais c'est tendu. On commence à être en déj de munitions, en déj de vie. Aminou, il a plus rien. Ça commence à être un petit peu tendu. Là, on vient de popper un Acidia Armored là. Qui va être un enfer à tuer. On va essayer de se débarrasser du Reaper plutôt. C'est le plus dangereux. Bon, eux ils peuvent faire mal, hein. Les petites saloperies là elles font mal. Hein. On va reculer d'une case. Là on n'a plus personne qui a des points. Hein. Non. On va juste reculer d'une case là pour être moins visible derrière la barricade. Aminou, recule un peu. Tu vas tenir la porte face au crawler, même si je pense qu'il va aller chercher le mur. Et le mur il peut encaisser. Hein. C'est pas un problème. D'accord, très bien. Cette traque d'Aminou là, y a pas d'autre mot. Le vrai problème de ce truc là, c'est que ça enlève du moral en vrai. Ah, il a fait un petit le salaud. Ah, il y en a un autre qui arrive. Ok, il va falloir qu'on envoie un peu de renfort en haut. Ah non, le moral qui tombe là. Il va nous faire un jet à la con, je sens. Non, ça va, il a tenu. 6 de moral, on va voir. Non, c'est bon, il a réussi son jet de moral. Non, il panique, et merde. Ok. Bon bah voilà, il y a le deck, je me demandais comment ça se passait. Copy that. Attack. Il va gagner du moral en pétant des fesses. Bon, c'est un peu des flammes partout là. Affirmative. Faut qu'on se débarrasse de lui, c'est clairement le plus dangereux pour moi.
Allez. Oh, sérieusement, une dernière balle. Lui, il est dos, c'est excellent. Ouais, alors faut quand même réussir à le shooter par contre. La tourelle qui est là, voilà. Lui là, ça va être un vrai problème. Vraiment. Avec lui en plus qui arrive, qui se régénère. C'est pas avec un quad seeker qu'on va les endommager ces gens. Okidoki. Non, pas sans trust. Target hit. Engaging enemy. Ok, on va se replier. Un endroit où tu peux te mettre en défense, bah là du coup. Hop. Ici, on va aller s'occuper des petites saloperies avec Aminou. D'accord, pourquoi tu ne veux pas lui tirer dessus? T'es sérieux? Bon, on va se mettre en défense. Toi, t'as plus rien. Là, on peut venir ici, passer en focus fire, se débarrasser de ce truc. Ok, il nous resterait lui, si on pouvait lui mettre une petite balle dans les fesses pour qu'il ne refasse pas le coup du moral, ce serait nickel. Là on peut aller mettre un short burst, pourquoi pas. La bonne nouvelle c'est qu'il reste plus que 6 ennemis et tu les vois tous. La bonne nouvelle c'est qu'il reste plus 6 ennemis et on les voit tous. On peut voir ça comme une bonne nouvelle effectivement. Voilà, plus que 5. Short burst, il n'y a rien de visible. On va se rapprocher un peu. Toi, t'as plus rien à faire. Il va nous falloir du monde en haut, hein. Il nous faudrait. On n'a pas un moyen d'avoir 9 là. Ouais, si, mais ça sert à rien. Ok, on va reload avec nos dernières munitions et on va se préparer à grimper. Aider le mur, alors le mur il va tenir sa ligne, hein, mais. Oh non! Touché l'ingé quoi! Et on l'a poussé dans une saloperie de trucs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont qu'est-ce qu'il fait? Peut-être dû fermer la porte, ça aurait été peut-être bienvenu. Ok, donc le volant là, il a décidé de faire le tour, on va envoyer notre Uber Quack s'en occuper je pense. Ah, si on continuait, il nous faudrait clairement des packs de soins. Oh là, l'ombre horrible du Worm Pig là. Excellent. Et ils sont bien foutus au niveau des ombres et des projections. Ah, le jeu est franchement super qualitatif. Hein. Des fois ça lag un peu, mais c'est pas pour rien quoi. Alors là on est de face, ce qui fait que c'est pas idéal, mais c'est mieux que de dos. Ouh, 435 dégâts en un coup là. Waouh. Monsieur énervé quoi. Bon, il est parti où l'autre là? Et on peut toujours pas y tirer dessus parce que bah il est trop compliqué. On va passer en mêlée. Engaging enemy. Et mettre des coups de quad seeker. Tiens, mange. Attack. Je crois que j'avais jamais utilisé ça. Ah, c'est tellement pas. On a fait quelques dégâts potables, mais là c'est tellement nul. Au moins on n'utilise pas de munitions, hein, mais bon. Allez, un petit short burst pour le finir. Le son du katana est bof. Ça passe bien pour, autant ça passe bien pour une hache, autant là, bah ouais, c'est vrai que c'est pas oufissime, je suis d'accord. Du coup, tu pourrais faire de la place, toi. Puis on envoie quelqu'un avec un vrai flingue. Toi, est-ce que t'as assez de points pour te pousser? Ouais, t'as assez de points pour te pousser. Du coup, si je me mets là. Oh non. Allez. Oh. Et encore pire. Ah putain. J'y crois pas quoi.
L'échec critique de Damned au dernier tour, quoi. Franchement. Voilà, c'est bon. Un bon coup de rouleau de sopalin, ça économise les grenades, certes. Mais là, ouais. Et il faudrait qu'on fasse les... Oh non, il meurt du poison au dernier tour, sérieusement. Oh, c'est abusé. Bon bah, de toute façon, c'est le repli. Aminou a gagné une petite médaille du sacrifice. Donc là, il n'y a plus rien, y a plus rien à miner, donc ces trucs-là, du coup, sont plus efficaces. Et au prochain tour, on aurait un Nest Guardians qui pop. Et on va avoir des crawlers et des reapers. On va voir le vent qui va se lever. Ce qui fait que dès qu'on tire à 7 de plus, on vise moins bien. Et en plus, on se déplace à... Il nous faut un de plus pour se déplacer. Et c'est l'après-midi, donc la lumière s'éteint. Et là, on a le pauvre... je sais même plus comment il s'appelait, le mur. Qui s'est fait... bouffé par l'acide jusqu'à la mort. Bon, de toute façon, on va se replier. On emballe tout ce qu'on a et on se tire avec ça. C'est une mission successful. On a quand même tué 89,5, ça veut dire qu'on peut gérer 89,5 avec notre équipement de base. Bon, il y a la tourelle qui nous a pas mal aidé. On a eu une étoile. On gagne 8 ammonites de cristal. Bisous. Ça fait plaisir. Ah, là, le 67 de dégâts qui nous a buté. Ah bah c'était Malvin. Malvin le mur Gordon. Alors on a quand même débloqué 2 upgrades. Plus 1 effectif champ pour les petites armes, ça c'est cool. Et moins 8% de distance spread, c'est pas ouf, mais ça peut être utile sur le Quad Seeker par exemple. Ouais bah ouais, une étoile, hein, mais là franchement, enfin t'as vu, c'est hyper tendu ce mode de jeu. Hein. Il est dur hein, ce mode de jeu. Hein. C'est vraiment, enfin il faut trouver les tactiques quoi. Trouver les tactiques, bien connaître le matériel, savoir comment tu peux tirer, les ennemis que tu peux viser, ceux que tu peux pas viser. C'est pas simple. Hein. Mais bon, on s'en est quand même pas trop mal tiré. Et on a assez pour faire notre hache qui fait de l'acide. Donc on va directement la prendre. On va déséquiper ça, on va le vendre. Et Malvin, en échange de son décès, on va lui faire une petite hache qui met de l'acide. Et ça nous laisse 5000 points dispo. Hein. Il coûtait une blinde le katana. Alors il est efficace le katana, mais il coûte vraiment une blinde. Hein. Donc avec 5000 points, on va pouvoir prendre un peu plus de munitions ou des soins un peu plus performants. Mais je ferai ça en off. On va arrêter du coup l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette petite présentation du mode de jeu vous a plu. Je vais aussi regarder ce qu'on peut débloquer avec nos 50 tokens, il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas. En tout cas, je m'arrête là pour la VOD, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!